Madame, Monsieur, bonjour, bonsoir. C'est l'édition Chita Tande Nouvelle ça qui entre la caillou. Moi, c'est Met Info, quelques heures auto-branchées. Nous disons bienvenue sur le canal Information sans fausse côté. C'est toujours un véritable plaisir pour nos amis téléspectateurs, amis internautes, pour nous présenter l'édition Nouvelle par la journée 20 septembre. C'était 263e anniversaire, donc naissance, Papa Nation, Jean-Jacques Dessalines. D'après, eh bien, et ancien président Jovenel Moïse, défunt président Jovenel Moïse, qui était consacré et date ça, donc et pour eh bien, fêter Jean-Jacques Dessalines, eh bien, déjà, et ça fait quatrième année, il a fêté naissance Papa Dessalines. Donc, il faut que nous disions qu'il y a un pile historien qui dit au paroi qui côté date ça sorti. Je crois que pas gagné aucune donnée qui montrait que effectivement données qui fiable qui montrait effectivement donc je crois que pas gagné aucune donnée qui fiable qui montrait effectivement et Jean-Jacques Dessalines te prend naissance en date 20 septembre. Donc gagné plusieurs activités qui étaient faites journée 20 septembre là plusieurs organisations. D'abord, gagné Premier ministre Ariel Henry qui t'a déposé un jepflet dans Mupana, Musée Panthéon National là. Après ça tout, gagné plusieurs organisations politiques avec organisations de base, organisations populaires, organisations sociopolitiques et mais qui t'a déposé un jepflet disons plusieurs jepflet dans pied Pape Monument historique Papa Nation sous Champ Master. Matin courir ensemble avec secteur démocratique et populaire. Je viens déposer Jeff Flessa dans pied Papa Nation, dans l'occasion de 263 ans depuis Papa Nation a pris naissance. Jeff Flessa a symbolisé qui ça pour nous, pour le secteur démocratique. Là. Il symbolise victoire, il symbolise gaieté, parce que le plus souvent nous fêtons la mort de Saline, mais nous ne pouvons jamais fêter la vie de Saline. Je dis à la journée nationale de Saline, Corinne vient fêter la vie de Saline. Pendant que nous venons fêter la vie de Saline, nous-mêmes, nous dans le secteur démocratique, là, nous venons demander de Dessalines force, nous venons demander le pouvoir, et nous venons demander tout inspiration. En tant qu'un esprit, je dis à qui nous mettons nous, pour que Dessalines réveille et pour Dessalines bah, nous inspiration, pour Dessalines bah, nous direction, pour que nous remettions le pays à son rail développement, pour que nous baillons le pays à une autre direction par rapport avec Jean pays à là, pour que les Haïtiens finalement. Arriver dans sa justice sociale là. Pour nous une société côté tout le monde a même chance tout le monde a même opportunité pour nous arriver craser système baiser sous ça le système d'exploitation tout puissant enraciné ça c'est sous base ça qui fait jodia courir le secteur démocratique et populaire à présent pour le déposer chef fleur ça dans vie Papa Nation jodia nous devant monument Jean-Jacques Dessalines jodia faire Papa Nation 263 années. Je dis à nous-mêmes, pour tout le peuple haïtien qui a regardé nous là à travers tous 10 départements pays. Nous-mêmes, dans ensemble, organisation politique de l'opposition, Jean Confrère de ce deal, nous avons fait ça depuis des années. Je dis à nous-mêmes, dans ensemble, organisation politique de l'opposition, nous n'avons pas arrêté ni bois croisé ni bouche bée pour nous faire un anniversaire Papa Nation qui a passé inaperçu. Malgré jodi a gen Abolocho qui blie nation qui blie Jean-Jacques Dessalines. Malgré gen Mercenaire qui blie Jean-Jacques Dessalines. Malgré gen Grinsic, c'est parti politique qui blie Jean-Jacques Dessalines. Jodi a nous même dans ensemble organisation politique de l'opposition. Nous dit au champ pour Jean-Jacques Dessalines parce que Jean-Jacques Dessalines c'est frère nous, il c'est famille nous, il c'est ami nous. Malgré Jean-Jacques Dessalines, 18 petites, je dis à nous pas des petites qui sont ensemble avec nous là, qui sont petites Jean-Jacques Dessalines, mais esprit avec nous. Et je dis à la date 263e anniversaire, de 263e commémoration anniversaire de Jean-Jacques Dessalines, pendant que nous disons Jean-Jacques Dessalines, bon anniversaire, mais nous ne pas parler. De yon dame qui était à l'époque yon guide, yon conseiller pour Jean-Jacques Dessalines, nous voulait parler de Grand Toya. Et Grand Toya, c'était yon guide, c'était yon lumière pour Jean-Jacques Dessalines, parce que c'est Grand Toya à l'époque, les Jean-Jacques Diclo, dit Jean-Jacques Dessalines, t'es petit, qui t'a montré Jean-Jacques Dessalines technique pour tirer épée, technique pour faire bataille corps à corps. Technique
pour le fait guérir qui la cause journée aujourd'hui. Nous-mêmes, nous avons parlé devant un garçon ça. Eh bien, je dis, nous-mêmes dans l'ensemble des organisations politiques de l'opposition, nous prenons exemple de Grand Toya. C'est parce que, je dis, le peuple haïtien a vécu une situation qui est extrêmement difficile. Et Jean-Jacques Dessalines n'a pas de bataille pour ça. Eh bien, je dis, chaque grand haïtien a besoin d'un guide pour Grand Toya. Et si chaque politicien haïtien qui a bataille, donc tu converti tête en Grand Toya, eh bien, je dis à nous, pas de jeunesse haïtienne qui vivent dans une situation difficile. Ça. Je dis à ce que je crois que c'est par rapport à la bataille nous avons mené. Parce que je ne vais pas citer nos papas de Saline dans l'histoire depuis que nous avons fait une tour là. Je dis à là, nous disons bravo à tous les haïtiens qui connaissent que l'indépendance est réalisée par un homme fort qui s'est cherché à des Salines. À cette organisation politique de l'opposition dit la fête avec Papa de Saline, esprit lui au côté de l'IA. Et dans ce sens-là, je dis à Guy Champagne qui va déboucher. Je dis à Guy Room, nous portons pour esprit gâteau. Papa de Saline. Et nous dit que c'est important pour nous continuer la bataille. De Saline te retire nous en bas colon blanc parce que nous sommes dans l'esclavage. Je te prends nous comme bêtes. Ils ont utilisé nous mal, ils ont été battre nous, ils ont été violer madame nous, petite nous, et ils ont fait tout ça vrai et ils ont traité nous comme bêtes sauvages. Et puis depuis nous avons fait une indépendance, et notre bataille vétière, et puis 1804, notre de Gonaïve, des Salines ont prononcé indépendance nous. Et je dis à nous, son peuple libre. Et nous dit que nous faisons des Salines, non, ils ont pensé spécial pour tout Haïtien, Haïtienne qui a passé misère. On bat pour mes cycles là. Là, on prend courage. Même si on retourne la caillou, même si on a maltraité, nous croyons que le pays a changé. L'autre information qui a dominé l'actualité, c'est la vague de déportation du gouvernement américain entamé depuis journée dimanche. Côté haïtien, ça a été bloqué dans la zone Dallas, Texas, donc dans la ville d'El Rio. Et bien côté, il était bloqué là, donc pour que entre Mexique avec pays États-Unis, et bien États-Unis décidé c'est déporter la déporter yo. Donc il a déjà commencé à rentrer dans pays depuis journée dimanche là, donc il y a plusieurs vols qui fait déjà qui rentrer dans pays d'Haïti, viennent vider haïtiens compatriotes nous ça yo sous aéroport international Toussaint Louverture. Donc haïtiens ça yo, et bien en pile nan yo critiquer gouvernement américain, autorité américaine yo. Yo dit qu'il pas respecté droit yo, qui maltraité yo, qui mettait au dormi, disons en prison, qui mettait en prison, qui pas prend, qui pas bail au soin, qui eh ben yo quel que soit ça yo te gagne en main yo prend ça yo te gagne, radio te gagne, etc. Donc yo pas bail au drap pour yo couvrir, yo mettait en freeze, donc c'est papier glacé yo bail pour yo couvrir, un véritable eh bien un véritable et tête chargée donc pour compatriotes haïtiens yo. Donc qui commençait à rentrer dans l'aéroport sous le pays d'Haïti depuis ben journée dimanche là, gain premier ministre Ariel Henry lui-même eh ben qui fait connaître il était chargé devant situation ça et la paix fait cool connaît pour que les capable accueillir compatriotes haïtiens ça. Nous invitons à suivre déclaration et eh ben plusieurs compatriotes haïtiens yo qui eux-mêmes sorti dans pays États-Unis que ont déporté qui sorti dans pays Brésil, sorti dans Chili qui était bout dans Texas, eh bien yo déporté yo commencé déporté yo et malgré décision un juge te prend dans pays États-Unis pour te dire non ça pas qu'a fait, eh bien malgré ça yo gouvernement américain allé en appel pour que il était capable déporter compatriotes yo. Nous invitons à suivre comment ça te. Yo dit ce gouvernement américain qui zaman yo. Par contre, pour qui ça? C'est Américain qui a choisi comme ça. Américain, c'est le plus gros ennemi haïtien. Parce que pour voir le parcours nous faire, mes amis, pour nous sortir du Brésil, nous passons 11 pays. Et Colombie, ça entendait. C'est un bagage, l'on sorti, vous demandez comment on fait passer là. Parce que c'est un remords qui va passer, c'est un danger, c'est vraiment qui va passer. Là, nous arrivons, nous avons un petit cap. Il a fermé nous. Moi, depuis mardi, Américain premier il fait même, ils ont côté, ils ont fait même nos chambres frises. Nous connaissons les chasseurs,
nous avons un petit papier qui éclaire, qui éclaire, nous avons mis sous le gâteau. C'est lié à nous pour nous couvrir. Chambre, vous avez le droit de sortir là-dedans. Vous portez brosse, vous portez parfum. Vous prenez tout, vous portez rad. Vous achetez belle rad. Vous prenez tout, vous jetez. Je ne sais pas si vous jetez, parce que le peuple a son peuple qui est vraiment méchant. Vous n'avez pas nous droit. Attention, vous n'avez pas bon droit pour brosser, mes amis. Il y a un pays qui dit que c'est lui qui a grande puissance. Qui veut faire la loi dans le monde là. Ou pas bon droit même pour me brosser parce que je ne vais pas faire un crime. Je ne sais pas si l'aime jambé illégal dans le pays. Si c'est un crime, je ne vais pas prendre toute punition. Je fais 6 jours. Jamais baigner, jamais brosser. Jamais baigner, jamais brosser. Je ne vais pas dire un peu l'enfant. Et qui côté vous prenez nous-mêmes? Bon, vous prenez nous au Texas. Texas, parce que actuellement là, c'est Texas qui a des frontières ouvertes, ils prennent nous Texas. Mais vraiment, bah, elle a vraiment compliqué. Notamment des responsables nous qui disent Américains ses amis, pour qu'ils ne font pas la guerre. Parce que si nous regardons mes amis, nous n'avons pas un cochon. Même cochon, là, il sent trop fort. Il veut nous tirer de l'eau là. Après, même s'il retourne bien là-dedans encore, dans la bois, mais il veut nous tirer de l'eau là, il retient la boue sur l'oreille. Donc, péripétie ça vous dit, nous passer à c'est Texas, nous passer là ou bien ça? Bon, c'est dans la prison Texas, nous passer. Dans la prison Texas. Texas. Qui compte on sortir? Chili ou bien Brésil? Nous sortis Brésil. De Brésil, nous prenons, nous faisons une machine pour Bolivie. De Bolivie, nous prenons pour Pérou. De Pérou, nous prenons pour Équateur. Parce que son route qui presque dit 3 mois sans dormir. Chili a un problème. Chili n'a pas l'autre problème qui n'est pas bien. Chili n'a aucun autre sans reproche moi-même. Quand je fais route, je ne peux pas passer au pays qui est États-Unis qui est plus bon que Chili. Pas pour pays plus bon que Chili. Moi qui quitte pour papier. Parce que Chili n'a pas voulu faire le papier. C'est le problème papier nous gagne. Imaginons que Chili a 4 ans, ou quand si mon Haïti ou pas 40 ans. Cause ou pas de papier. Ou gen 4 ans, gen moun ki gen 5 ans Chili kap soufri de fami yo ki Haiti yo pa rentre. Donc, premier jour ça te prend ou pou te sorti de Chili ou aller te chéri, m kite Chili 9 juillet. M fait 2 mois, m fait 7 jours en barrage. Rage d'Arien, rage de Colombie à Panama, m fait 7 jours en bas. Donc je dis là, c'est de manière illégale tourner la caillou qui j'en sorti. J'ai ma travail, je n'ai aucun problème parce que je tourne là, sous tes côtés, je fais ça. Parce que quel que soit, je la taille, et bien les gens, je ne peux pas vivre là. Parce que c'est pays me lié. Moi-même, le problème, c'est les gens au dépôt. Le problème, c'est pas parce que je viens là. Parce que je viens dans le pays. Parce que côté, je me sens plus à l'aise que dans le pays. Même les gens qui ont des problèmes, pas moi-même, moi, c'est pas le problème, moi, c'est parce que c'est les gens au dépôt. Ils ont dépôté nous. Ils ont dépôté nous. Tant qu'on bon monde sans famille, tant qu'on monde qui pague tête, pague en tête, pague monde qui ka plaider pour nous. Parce que d'après la loi, pour nous déporter, nous faut nous bon nous un papier qui écrit déporter, qui écrit à déporter nous et pour nous signer. Nous pas signer aucun papier, c'est eux qui signent papier. Yo prend passeport non mais nous, yo pas venir mettre nous non. Et pas ça là, c'est dans l'avion on remet nous papier. Tout ça est illégal. Yo fait bagarre illégal, yo fait déportation, yo vient relever nous dans cabane à 11h minuit pour faire déportation. Déportation pas faite à rien ça. C'est n'importe avion te vient prendre nous qui côté nous ta gare. Non, Texas, nous t'es dans prison. C'est sous faute à Kounia t'es pas fait. Yo mettez nous dans prison Texas et puis yo al mettez nous dans avion San Antonio, en zone dans Texas. Qui relé San Antonio. C'est là yo ta. Amis téléspectateurs, amis internautes, c'était édition spéciale ça. Nous te présentons à l'occasion le 20e, disons à l'occasion, disons 263e anniversaire et naissance Papa Dessalines. D'après ça, quelques mouns, quelques historiens fait qu'on est, mais il y a un pile historien qui pas d'accord avec date ça tout et il y a un pile monde. Eh bien, qui quand même te fait quelques activités qui, pour te marquer date si là. Et en deuxième temps, ou surtout elle, c'était vague déportation, compatriotes nous qui continuaient à rentrer sous aéroport Toussaint Louverture dans Port-au-Prince. Amis téléspectateurs, amis internautes, c'est là, nous campons à l'édition spéciale ça. Nous remercions pour écouter avec attention. C'était Zami Frère Met Info qui t'a observé. Nous cassons rendez-vous demain, même la même chaîne. Si papa, bon Dieu content. À bientôt.